Salut tout le monde, c'est Cladios, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau test et cette fois-ci, on va parler de l'hardware, entre guillemets, de l'accessoire lié au gaming, c'est la chaise. Accessoire peut-être sous-estimé et je vais pas vous mentir, en tout cas, moi personnellement, j'ai fait la boulette et j'ai appris beaucoup sur moi-même et notamment sur cet accessoire, est-il indispensable ou pas? Et donc, du coup, pour ce faire, on va tester une chaise de chez AKR Racing qui m'a été envoyé par le constructeur et vous allez voir, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Si vous voulez des tests transparents sur toutes les nouvelles sorties, que ce soit les jeux, les accessoires, etc., il y en a déjà beaucoup sur la chaîne et il y en aura beaucoup d'autres à venir. Donc je vous invite à vous abonner avec la petite cloche des notifications pour ne rien rater. Donc c'est parti, on se lance. Alors en toute honnêteté, comme d'habitude, je vais être très franc avec vous, la chaise, c'est quelque chose sur lequel je me suis jamais concentré, jamais posé, jamais attardé. C'est quelque chose que j'ai trouvé qui était peut-être secondaire et à tort, j'ai eu vraiment une véritable épiphanie. Ça fait un peu plus maintenant d'un mois et demi que j'ai cette chaise, j'ai vraiment pris le temps pour pouvoir la tester et voir en fait les conséquences de son utilisation sur mon corps. Vous le savez, je passe beaucoup de temps derrière un écran, de toute la journée à travailler sur la chaîne. Je passe en moyenne, on va dire, 10 heures assis derrière mon bureau. Et donc, en fait, c'est quelque chose, bah, je misais plus sur les écrans, les haut-parleurs, l'ordinateur, la bonne souris, le bon clavier, etc. Et au final, la chaise, ben, je la laissais toujours un petit peu de côté. C'est vrai que cette partie-là du setup, en fait, c'est quelque chose que je considérais un petit peu de acquis. Genre, je faisais tout le temps mon setup, comme beaucoup, je regarde autour de moi, mes amis, c'est pareil. Quand on voit un petit peu leur setup gaming, vous voyez le bureau, le beau clavier, tout est nickel. Et puis la chaise, au final, bah, c'est soit des chaises IKEA, soit des chaises vraiment très bas de gamme, peut-être gaming, mais ça reste quand même assez rigide. Donc j'ai décidé de faire un véritable test sur un produit haut de gamme. Donc je remercie d'ailleurs AKR Racing qui m'a fait confiance pour envoyer un modèle. Et donc je vais vous parler du coup de la AKR Racing Master Series Pro, qui est une chaise vendue sur leur site internet à 579€. Alors je sais que ça peut faire peur quand on compare avec d'autres chaises, mais c'est ce que je voulais en fait. Je voulais vraiment tester quelque chose de haut de gamme pour voir si c'est véritablement le jour et la nuit ou si c'est plus véritablement un petit gadget qui a du mal à justifier son prix. Et la révélation, franchement, est assez impressionnante. Je ne parle pas juste de l'aspect santé, je parle surtout de la partie productivité. Donc ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de se concentrer sur les matériaux qui ont été utilisés pour voir si c'est du matériau noble, si la finition est nickel. Et ensuite, on va regarder un petit peu les fonctionnalités avant que je vous donne du coup mon avis global sur ces chaises, sur le rapport qualité-prix en tout cas de la Pro. Ce qui est assez drôle, c'est que je n'y connaissais pas grand chose sur les chaises, mais avant de proposer un test, bah, j'ai fait mes petites enquêtes, j'ai comparé un peu ce qu'il y avait sur le marché et je vois maintenant pourquoi il y a de tels écarts en fait en fonction des prix. Ça va bien au-delà de la fonctionnalité. On va donc parler des matériaux utilisés et du savoir-faire. Déjà, tout le cadre, toute la structure est en acier. J'ai choisi une peinture noire. Cette peinture, elle est anticorrosive, donc ça permet d'avoir une longévité par rapport au design de la chaise qui va être beaucoup plus robuste, beaucoup plus fiable que des structures et des chaises avec des peintures, on va dire, plus bas de gamme. Ensuite, vous avez le revêtement. Donc là, c'est du simili-cuir en polyuréthane sur l'avant et sur l'arrière de la chaise. Là où c'est plus important, c'est au niveau du rembourrage. Alors ça, c'est une technique que je ne connaissais pas, mais concernant en fait la densité de la mousse et de la manière dont elle a été appliquée contre le cadre. Donc là, ça devient hyper nerdy. Moi, j'adore ces petites informations qui sont croustillantes parce que c'est pas perceptible à l'œil nu. Donc le type de rembourrage, ça va être sur la densité de la mousse au mètre cube. Donc ça, c'est pas quelque chose que vous pouvez vous rendre compte. C'est-à-dire que la mousse, elle est appliquée sur le cadre et donc il faudrait savoir la quantité de mousse utilisée pour maximiser votre confort. Donc ça, ça se ressent en fait quand vous êtes assis très longtemps sur la chaise par rapport à la qualité de l'assise. Donc il faut savoir que sur cette chaise, par exemple, vous avez 55 kg au mètre cube de mousse et 50 kg donc ça c'était pour l'assise et 50 kg du coup au mètre cube pour le dossier. Et enfin, c'est sur la technique qui va être appliquée, donc c'est-à-dire que le type de rembourrage, l'application de cette mousse haute densité a été durcie à froid. Donc ça, c'est du savoir-faire, c'est appliqué à la main, donc ça fait encore une fois la différence. C'est pas quelque chose qui est monté dans des usines à la chaîne par des machines, c'est ce qu'on appelle des marteliers qui viennent du coup appliquer la mousse à froid sur le cadre. Alors que pour des chaises qui sont moins chères, eh bien la mousse en fait, elle va être chauffée par des machines, puis ensuite elle va devenir être écrasée contre le cadre
pour ensuite qu'elles prennent forme. Le problème, c'est que ça dégrade énormément la mousse et donc du coup, bah, forcément, votre confort va être amoindri. Sans compter le fait que, bien évidemment, la densité au mètre cube sera également beaucoup plus faible. Et donc, c'est quelque chose que vous ne ressentez pas. On a tous ce réflexe, on rentre dans un magasin, on s'assoit 10 minutes dessus, on se dit « Ouais, ouais, ok, je vois pas trop les différences, ce confort, c'est cool. » Mais en fait, la différence, elle va se mesurer au fur et à mesure du temps. C'est sans appel, hein. Vraiment, c'est le jour et la nuit. Au niveau du confort, au niveau des douleurs que j'avais en bas du dos, moi c'était terrible, et au niveau de la nuque, bah, tout est parti. Et aussi au niveau des coudes, mais ça j'en parlerai un petit peu plus loin sur les fonctionnalités. Les accoudoirs, moi je peux juste plus m'en passer des accoudoirs 4D, c'est monstrueux. Bref, on y reviendra un peu plus tard. Ensuite, au niveau de la base, là on retrouve une base en aluminium, donc bien évidemment là aussi supérieure à ce que peut faire des concurrents et une chaise beaucoup plus basse en termes de gamme. Donc c'est, je trouve ça vraiment très intéressant parce qu'on voit au final que sur la conception des chaises de pro gaming, il y a plusieurs écoles, donc ça soit l'application de cette mousse, ça soit le fait d'utiliser on va dire des ateliers automatisés avec des machines qui vont faire chauffer cette mousse, ou alors limite c'est de l'artisanat avec des marteliers qui vont venir appliquer la mousse à froid sur les chaises avec une densité supérieure justement pour les chaises AKR versus du coup des chaises bas de gamme. Je trouve ça assez fascinant du coup, de prime abord on n'aurait pas pensé qu'il y avait une telle différence à l'intérieur de ces chaises. Donc j'ai terminé déjà sur les matériaux, clairement il y a deux écoles différentes et on comprend les différences de prix, c'est pas on va dire entre guillemets du foutage de gueule. Ensuite sur les fonctionnalités, c'est ce qui a été pour moi une véritable révélation également. Donc je vais commencer avec ce qui me faisait le plus mal au quotidien, c'était en fait les accoudoirs. Il faut savoir que j'avais des accoudoirs également sur ma chaise, ce qui était également réglable un petit peu en hauteur, mais ça n'avait rien de foufou. Là, ce sont des accoudoirs 4D ajustables, mais vraiment dans tous les sens. Et ça fait une énorme différence, parce que moi, j'avais vraiment une douleur au coude et au niveau du poignet, sur mon bras droit, je suis droitier, parce que en fait, bah, j'exerçais tout le temps une pression sur mon poignet, parce que mon coude était un petit peu dans le vide, il touchait dans le vide et donc du coup j'avais tout ce poids qui venait s'écraser sur le poignet et il était cassé du coup sur la souris. Et je vous assure qu'après 6-7 heures de boulot, vous avez vraiment mal. Et que ça soit du boulot ou du gaming, hein, c'est pareil, quand je dis boulot, forcément, je parle également quand je teste des jeux. Des fois, Final Fantasy VII, j'ai mis un temps, mais un nombre d'heures incalculable. Pareil pour Nioh 2, c'est des jeux qui prennent des heures et des heures et des heures, avec de très longues sessions après pour monter les vidéos, etc. Et je vous assure que j'avais super mal au bras, en fait, au coude et au poignet, à cause des accoudoirs. Et donc ça a fait déjà première différence, je n'ai plus de douleur nulle part. Et la seule chose que j'ai changé, j'ai pas changé de souris, j'ai pas changé de tapis de souris, c'est justement la chaise. Donc déjà, énorme point positif, alors que les accoudoirs bah, plus bas de gamme, c'est en général du 2D. Ensuite, on va parler de l'inclinaison qui est juste monstrueuse. On parle d'un angle d'inclinaison à 180 degrés. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire qu'elle est à plat. Vous pouvez vous allonger complètement dans votre chaise si vous voulez, c'est juste incroyable. Et donc bien évidemment vous avez là aussi la possibilité de pouvoir la verrouiller à n'importe quel angle d'inclinaison, c'est super. Ça permet des fois vraiment quand on est en train de, je sais pas moi, regarder quelque chose, que ça soit un training si vous bossez, que ça soit une vidéo d'un autre youtubeur, que ça soit un montage que vous avez en train de vérifier, eh bien vous pouvez vous mettre au fond de siège et vous détendre deux secondes, vraiment c'est top. À ce niveau-là, j'ai vraiment rien à dire. L'angle d'inclinaison à 180 degrés, c'est juste monstrueux. J'ai un point négatif, c'est que je me suis fait piéger à plusieurs reprises. Si vous avez trop bouffé à midi, les gars, c'est une très mauvaise idée de vous foutre au fond de votre siège parce que vous allez vous endormir. C'est vraiment confortable à ce point et je mâche vraiment pas mes mots. Maintenant, j'ai gardé vraiment le meilleur pour la fin. On va parler des lombaires. Donc, comme beaucoup d'entre vous, après de longues heures au bureau ou en train de geeker, peu importe l'âge que vous avez, on a tous mal aux lombaires. Et donc moi, c'était mon test parce que j'ai de grosses douleurs en fin de journée. Est-ce que j'ai vu la différence? Eh bien, absolument. Le coussin lombaire est complètement réglable. Il se positionne, mais alors nickel. Vous avez un vraiment soutien à ce niveau-là. Pareil pour le coussin au niveau de la nuque. Vous pouvez là aussi le régler. Franchement, c'est hyper confortable, aucune douleur. Et donc, j'en viens à ma conclusion. Il faut savoir que la chaise a une garantie de 5 ans pour le siège et 10 ans pour la structure. On se dit, mais qui va utiliser ce type de garantie? Mais c'est quand même un gage, quand on y réfléchit,
de qualité, c'est-à-dire que le constructeur s'engage à une garantie de 5 ans sur le siège et de 10 ans pour la structure. C'est dire qu'ils ont confiance en leur produit et franchement, ça se ressent immédiatement. Alors de prime abord, j'étais sceptique parce qu'on parle de chaises à de gros budgets, 579 €. J'ai complètement changé d'avis sur la chaise. C'est hyper important, c'est au final peut-être un des outils les plus importants parce que on parle de votre santé mais de votre productivité. J'en ai parlé au tout début et je me suis vraiment rendu compte de ça très rapidement. Je n'ai jamais été autant productif derrière mon écran parce que j'ai pas de douleur, j'ai aucune gêne, je prends moins de pauses, je bouge moins dans ma chaise, je joue beaucoup mieux, ça se voit au niveau du gameplay également, j'ai plus de douleur au coude, etc. Et donc, bah forcément, ce qu'il y avait au niveau de mon corps, au niveau des douleurs, au niveau des gènes, etc., se répercute aussi sur mon cerveau, c'est-à-dire que je suis vraiment concentré sur ce que je fais, je n'ai aucune gêne, j'ai aucune douleur, et donc je n'ai pas besoin de prendre autant de pauses, de break qu'avant. Donc franchement, je suis juste sur le cul, c'est un véritable investissement qui est complètement en fait justifiable, parce que ces chaises, vous allez les garder mais pendant des 15 ans, c'est ce genre de chaises. Ça ne bouge pas d'un iota, c'est hyper solide, c'est hyper robuste. Et encore une fois, la qualité du cuir, les mousses, etc. Franchement, je trouve que ça vaut le coup complètement, non seulement sur l'aspect santé, sur l'aspect productivité, mais aussi sur le design. Vous le savez, moi je suis un vraiment gros gamer, mais je n'aime pas trop le design gamer tacky, avec un peu des logos, des couleurs dans tous les sens et tout, c'est pas trop mon truc. Moi j'aime bien rester discret. Bien, je vous invite à la regarder, cette chaise, eh bien, elle est ultra discrète. Hein. Vous avez juste le petit logo AKR Racing et basta, vous la prenez toute noire. C'est une chaise de bureau classique. Après, si vous aimez le look assumé, vous avez différentes couleurs. Hein. Vous pouvez naviguer et choisir différentes finitions, mais en tout cas, il y en a donc pour tous les goûts. Donc voilà, moi, je suis assez vraiment satisfait du produit, du rapport qualité prix. Je comprends la différence, ça a du sens. Moi, je me suis jamais aussi senti aussi bien derrière mon clavier. Ça fait vraiment, c'est le jour et la nuit en fait. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Vous le savez, à chaque fois, je vous dis vraiment le positif et le négatif sur tous les tests hardware ou jeux vidéo. Là, j'ai pas grand-chose vraiment à vous dire de mal. Je m'en suis voulu en fait, personnellement, de m'être infligé ça à moi-même, alors qu'il y avait une solution en fait pour être plus confortable, pour être plus productif et plus rentable. Hein, parce qu'au final, voilà, une chaise que tu gardes 15 ans, 10 ans, moi j'ai la même chaise depuis, je sais pas, 8 ans. Je change de console quasiment tous les ans parce qu'il y a des nouvelles éditions, PS4 Slim, PS4 Pro. Là, j'ai la PS5 et puis il y aura une nouvelle édition que je vais prendre, etc. Je les lâche 500 balles quasiment tous les ans dans de nouveaux hardware. Et pour ma santé, pour ma productivité, j'étais toujours resté en fait en retrait. Bref, je me suis senti débile, je ne vais pas vous mentir. Mauvaise décision. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette chaise. Je ne sais pas si on en aura d'autres constructeurs. Ça serait intéressant de vous en parler également. Sur ce, je vous remercie d'avoir visionné ce test. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez. N'hésitez pas à vous abonner. À très vite. Ciao !